reborn. Eh bien, les scènes ou quoi? Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue sur Soupon. Ce que je vais vous montrer ici, vraiment, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Un face-à-face entre un député et un policier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez tout voir ici. Elle s'appelle Nouhan Fuster. Ah, c'est ainsi, les gens sont chauds. Tout est mélangé, le café hache partout. Apparemment, elle allait quelque part. Certaines personnes disent dans son village. Et elle arrivait à un niveau de la route où c'était barré. Barré pourquoi? Parce qu'il y avait les gens qui priaient. Vous voyez souvent, quand il y a une mosquée pas loin de là, on barre la route. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier. Voilà, non loin. Il y a des gens qui sont même sur la route à cause du monde. Donc, on barre pour ne pas déranger les gens qui prient. Vous voyez, non? Voilà, si vous avez vu, c'est un peu en Afrique. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et tout le monde respecte ça. Tout le monde respecte ça. Si tu respectes les gens, va te respecter. C'est quoi? C'est... Mais là, apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Au point où les policiers sont arrivés là. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais quelqu'un nous dit que lui, il était témoin oculaire de ce qui s'est passé. Et lui, il peut nous expliquer ce qui s'est vraiment passé là-bas. Hein? Qui a raison? Est-ce le député ou le policier? Avant de donner la réponse, allons voir d'abord la vidéo. Venez, 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 venez. Venez voir, venez voir, venez voir, venez, venez, venez voir. Comme Jésus est bon, il est bon. N'est-ce pas, c'est comme je suis à l'église. Regardez, regardez, regardez. Wow, jolie femme. J'ai une jolie femme ici, oh. J'ai une jolie femme ici. Elle est tellement intelligente qu'elle est devenue députée. Elle s'appelle Nouhan Fuster. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, il y a eu une altercation. Il y a un problème, un discours ici, là, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là. Ouais, non. Ah, le policier a serré son visage. Nouhan Fuster aussi a dit que, est-ce que tu sais qui je suis? Je ne peux pas me laisser faire. Hein? Qui va gagner? Et c'est ce que nous allons voir tout de suite ici. Regardez, c'est regardez déjà ici. Voilà. On voit la présence d'autres policiers qui sont aussi venus. C'est pourquoi. On peut le voir. On voit déjà un frère musulman qui passe avec son. Voilà. Quand on le voit déjà, on sait que voilà, il y a la prière quelque part non loin de là déjà. Maintenant, elle est garée juste au milieu là, dans la voiture blanche. Regardez. Et le policier arrive juste là pour l'interpeller. Il dit, mais qu'est-ce qui n'est pas toi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas respecter nous autres? On lui dit, il ne faut pas passer. Toi, tu veux forcément passer ici alors que c'est barré. On te dit de continuer le chemin, de passer de l'autre côté. Toi, tu ne veux pas. Donc, tu veux nous défier. Et les gens, ces policiers refusent qu'elle ferme la portière. Quoi. Ils veulent tout simplement qu'elle sorte de la voiture. Et elle dit, madame, méfiez-vous, madame, méfiez-vous. Et elle est dans le véhicule avec son mari, vous voyez un peu, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Et finalement, elle va descendre du véhicule. Mais elle va descendre avec une colère vraiment terrible. Elle dit, ah donc c'est comme ça que vous parlez. C'est comme ça que vous parlez à un député. Un député. Mais apparemment, le policier ne veut rien entendre. Il ne veut rien entendre. Vous voyez, souvent, là, le policier, là, les gens les fatiguent. Hein. Les gens qui sont riches, ils les fatiguent beaucoup. Ah, ils sont là, tous dit. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis dans le pays? Sais-tu quelle relation j'ai? Et s'ils sont là, les policiers. Ah, donc tu veux me dire ta relation? Bon, moi, ma relation, c'est que j'ai la relation avec la loi. C'est la loi, c'est moi qui ai ma relation. Donc, pardon, il faut écouter ce que je dis. Même si tu es le président. Oh, quoi? Sérieux? C'est bizarre. Et quand on regarde tout ça, et qu'on regarde le visage de ce policier, on se dit, André, c'est ce qu'il subit chaque jour. Hein? André, c'est ce qu'il subit chaque jour. Les gens qui sont riches ou bien qui ont réussi, ou qui ont une place dans le pays, ils veulent toujours le fatiguer avec ça. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis?
On dit de descendre sur une autre personne comme ça, il dit non, tout est trop. Je vais déverser ma colère, si elle a même temps, ça a fini. Est-ce que vous voyez un peu? Vous n'avez pas remarqué ça? Il est fâché, il est en boule. Il est en boule, je me suis, je suis en boule. Il a dit, son visage, il n'est pas prêt, il regarde la femme droit dans les yeux. Elle dit, est-ce que tu sais qui je suis député. Et lui, s'ils sont fous, ils respectent la loi. Il dit, il faut respecter la loi, c'est tout ce qu'on lui demande. Regardez. Ouais. Attends, est-ce qu'il connaît la fille là-même? Est-ce qu'il connaît la femme? Je me pose la question. Hein. Est-ce qu'il l'a déjà. Peut-être qu'il ne connaît. Il ne sait pas que c'est une députée. Mais tout ce que lui sait, c'est la loi. Il connaît la loi. Lui, il dit que lui, il est là pour réguler la circulation. Il est là pour gérer le mouvement. Lui, c'est là où l'on positionne, c'est son poste. Il fait son boulot. Donc, quel que soit qui tu es, tu dois obéir à ses ordres. Tchei! Ça, regardez, regardez ça, regardez ça. Et comme vous pouvez le voir, ça a commencé comme ça. Et il laisse pas la fin. Elle essaie de partir, mais il la suit. Il la suit jusqu'au bout. Vous voyez, et c'est là, là, vraiment, il fait un geste qui va pas me plaire. Il va juste la pousser. Vous voyez, non? La pousser, c'est ici, ça se passe. Il va la pousser sérieusement. Regardez, on ne la voit même plus dans l'écran. Tellement il l'a poussé d'une manière. Et je vous signale que son mari était présent. Là, là, vraiment, il dit vraiment. Et la police d'aujourd'hui, vous êtes trop zélé, hein? Vous êtes trop fort. Mettez-vous votre balle à terre un peu. Surtout quand c'est une femme. Ou bien, si c'est moi, on peut se bagarrer. Si c'est moi, on peut se bagarrer, non? Ben, c'est un garçon, non? Je mets la tchèque, non? Mais une femme, quand même. Attendez, revenez un peu à l'arrière. Regardez bien ça. Et vous voyez, il la suit. Il se lève à la pousser. Il a dit ça. Mon ami, c'est un député. Et le monsieur, tellement étonné, il a dit, ah, mon ami, c'est une députée. Je ne sais pas si tu as dit une ou bien mais vrai, ça c'est quoi? Bon, choisissez. Mais il est le problème. Fais attention. Il dit, ah, mon ami, c'est une députée, fais attention, regardez bien encore. Monsieur qu'elle avait dit non, arrêtez de filmer, arrêtez de filmer. Mais c'est déjà fait, l'eau qu'elle a fait là, deux qu'elle a versé, on ne peut plus ramasser. Tu dis qu'elle a arrêté de quoi? J'ai pas bien compris. Ah! Non, à ce niveau seulement, hein. À ce niveau seulement, là où le policier a poussé la femme, pour moi, ça m'a pas vraiment plu. Ouais, non. Parce que les femmes, elles sont jolies. Hein. Les femmes n'ont pas de force. Où tu vas la toucher, puis elle va rester en vie. Elle a poussé comme ça, surtout toi qui es un policier très dur, très fort, très puissant. Surentraîné en plus. Hyper entraîné, tu es un dur. Donc tu peux pas toucher la femme, sinon ça va créer de l'homme dégâts. Mais son mari ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas réagir. Mais que s'est-il passé au juste? Que s'est-il passé? On va écouter le témoignage de quelqu'un. Une personne qui dit qu'elle était présente ce jour-là. Peut-être que c'est la personne qui filmait. Écoutons. Bon, bonjour tout le monde. Je vais un peu réagir à ce sujet. C'est arrivé quand j'étais en train d'aller à la mosquée. Je suis arrivé, bref, parce que c'était bloqué. Quand je descendais de la moto, c'est à ce moment que Nouran est arrivé. Et on lui a fait savoir que non, la route est bloquée. Comme vous savez que sur la route de la mosquée, là, c'est bloqué généralement parce qu'il y a la prière. On lui a donc demandé de patienter parce que la prière finissait même déjà, de patienter ou bien de prendre la voie de contournement qui passait juste à la droite pour sortir devant. Elle dit qu'elle ne peut pas exécuter, elle va sauf que passer. C'est où maintenant le policier vient dire, on vous dit que c'est interdit de passer et vous voulez simplement forcer. Pour qui vous vous prenez même? C'est où directement? Et vous savez même à qui vous avez affaire? Hein? Vous savez même à qui vous avez affaire? Comme c'est son mari qui était au volant.
C'est elle qui dit, ah, demain maintenant, son mari de lui laisser le volant, elle va foncer sur le policier. C'est où elle prend maintenant le volant, elle essaie de foncer. Heureusement pour les policiers qui étaient en bordure du terre-plein, c'est où elle est venue buter sur le terre-plein. C'est là maintenant que les voix se sont levées et tout, elle est sortie maintenant du véhicule. C'est elle la première à bousculer, il dit bien la première à bousculer le gendarme. Et dès qu'elle sort maintenant, elle fait pousser, elle pousse la barrière. Et le policier maintenant réplique en la poussant aussi. Bon, ils ont un peu chamaillé là et tout. On a fait appel au gouverneur. Bon, le gouverneur a envoyé le sous-préfet de Barsan, deuxième, qui a allé essayer de calmer et puis a fait venir Nouran à la mosquée même. A fait venir Nouran à la mosquée. Tellement zélée, elle n'a même pas permis à ce que le gouverneur place un mot. Donc tout c'était qu'elle a raison. Parce qu'elle était à la réception, elle est arrivée. Le gouverneur, mais tellement elle étouffait, elle ne voulait même rien entendre. Le gouverneur a quand même essayé de calmer et puis a entendu le policier également. Et puis ils ont dit, bon, ça va, le problème est résolu, c'était un malentendu. Mais il faut que Nouran comprenne que la loi, c'est la loi. Si on dit que c'est interdit de passer, elle pouvait contourner. Parce que là, elle n'était pas dans sa casquette de députée. Elle partait au village. Elle était juste citoyenne. Et c'était normal qu'on lui interdise le passage. Donc, ils se sont dit, bon, d'accord, ça va. Et puis... Nous avons entendu ça. Vu le témoignage de cet homme, on peut dire, sans même risque de nous tromper, que elle était tout simplement en erreur. Oui. C'est comme si les gens sont pressés. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Vous voyez. Waouh. À qui la faute? En tout cas, les policiers, c'est son point. C'est quand même un pro. Gardez un peu votre calme souvent. Surtout quand c'est une femme. Maintenant, les femmes, des hommes riches, vous aussi, c'est son point. Essayez un peu de vous calmer. Parce que souvent, là, quand, je sais pas, quand on est trop en haut, là, c'est pas bon. Comment vous expliquer ça? Je ne veux pas me la blesser, ni blesser les policiers aussi. Je suis un belle. Les frères et sœurs, faites une grave attention. C'est ainsi, la mort rôde trop. La mort fait le tour du monde. Regardez ce qui s'est passé en Chine. Les voitures des gens, l'eau est venue ramasser tout ça. Est-ce que vous avez vu ça? Allez regarder la vidéo précédente. Mais vous, vraiment, soyez indulgents, mettez de l'eau dans vos vins, comme vous conduisez, vraiment, soyez calme. Moi-même qui n'ai pas voiture, là, quand il m'a dit, je suis calme. Vous avez voiture, vous pouvez aller vite plus que moi, là. Vous êtes fâché, vous êtes en boule, vous êtes en colère. Ah! Non! Hey! En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous attends. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir Yann Souba, vraiment mon cœur, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.